Salut à tous les amis, c'est Blacko, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les... Aujourd'hui, nouvelle vidéo, du coup, nouveau concept. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, là, tu dois t'abonner tout de suite, là. Mon Instagram, @IamBlacko, sur mon Insta, Du coup, les amis, avant de commencer cette vidéo, vous êtes beaucoup à ne pas être abonné à ma chaîne. Abonnez-vous, les amis, c'est important. On va essayer d'attendre les 100K avant cet été, en vrai, avant la fin d'été, pardon. Du coup, pour le concept, c'est un concept très facile. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, du coup, de me donner un animé, votre animé préféré. Et aujourd'hui, il y aura une team de filles, une team de garçons, et on va liker ou pas. Donc ça va être un tu like ou tu like pas. On like. One Piece, on like. Naruto, on like pas. Non, on like. Du coup, j'espère que vous avez compris le concept. C'est parti. Du coup, on commence avec l'animé de Madame Creamy Death Parade. Est-ce qu'on like ou pas? Ah, Death Parade, ouais. Tu likes? Ah, gars, je like. Hein. J'ai pas vu. Ouais, connaissent vachement. Honnêtement, j'ai pas vu. C'est vouloir arriver dans ma vidéo, mais ne pas connaître les animés. Mais je connais, excuse-moi. Ok, ça parle de quoi, Death Parade? Non, je connais. Vas-y, t'es sérieux ou quoi? On va dire qu'il like pas, nous on like. Desperado, on like. On like, et... très fort. Regardez, Desperado, c'est important. L'opening est incroyable. Everybody, put your hands up and sing it. Ok, on passe au deuxième animé. Fairy Tail, les amis. On like pas. T'es de mon like, t'es fou quoi? Comment ça on like pas Fairy Tail? On like pas. On like Fairy Tail. On like. La team garçon like Fairy Tail. Non mais attends, lui il like pas. C'est vrai, tu like pas? Lui il like pas. Finalement y'a pas team garçon. Y'a pas team garçon. Fairy Tail, les amis, Fairy Tail on like. T'as lâché. Je m'en fous. Juste pour Fairy Tail. Fairy Tail, je vais dire pourquoi. Fairy Tail déjà c'est un très très bon animé. Belle animation, belle OST, belle opening. Mais surtout l'élément déclencheur de toute cette... cette haine envers Fairy Tail, soi-disant le pouvoir d'amitié, mais il se retrouve dans tous les animés ce pouvoir. Donc du coup Fairy Tail c'est un animé sous-côté et c'est super bien. Je fais même carrément le signe de Fairy Tail. Il parle pas trop. Moi en vrai je rigole, je sais pas en fait, je sais pas si... Les amis, troisième animé, IQ. On like ou on like pas? Bah on like frère. Moi personnellement je like IQ, que dire sur IQ? En plus il y a une... Moi je suis pas fan des animés de sport. Je vais pas aller plus loin, non, juste c'est neutre. Ok, je suis, toi, c'est neutre. Bah, je suis pas comme on est l'équipe, contrairement à vous. Voilà, je suis l'avis de Lucifer. Donc c'est neutre? Oui. Là, ça n'existe pas neutre. Non, on n'est pas si neutre, c'est neutre. Mais juste, ouais. Ok, on passe les amis, bon. Voilà. C'est qui à votre avis? Mais c'est celui qui pète jamais d'habitude. T'es sérieux là? Anime suivant, on passe à du One Piece, celui qui dislike. Allez, dehors! Voilà, c'est ça. Moi, c'est un super like. Moi, One Piece? Moi, je like aussi. C'est pas un super like, mais je like. Moi, c'est pas un super like. Parce que c'est pas un super like. Et pourquoi? Naruto, super like. Non, je suis pas d'accord. Non, t'inquiète pas, ça va arriver, Naruto. T'inquiète pas. Ouais. Moi, super like. Moi, de toute façon, je suis avec une fan de. Une personne qui aime beaucoup One Piece, donc on like. Qui est ton personnage préféré? Est-ce qu'on est? Moi, j'en ai pas. Parce que t'as pas vu One Piece? T'as un mouton? Non. On va passer, je sais, il y a quelqu'un qui va crier là. Devilman Cry Baby. Ça like baby. Ça like? Ça like baby, ça super like. Ça dislike. T'abuses. Pourquoi? Ça dislike. Moi, on est où là? Les humains ils courent comme ça, les humains ils courent un peu comme ça. Mais c'est des démons quoi. M'en fous. C'est des humains. Il est con lui. M'en fous. Il est con. Parlez à votre pote. Toi là. Tu vas aller en enfer. Tu likes? Moi je like. Ah, t'as un mouton. Tu je suis pas un. Oh, vas-y, Tatiana, toi. Tu likes ou tu likes pas? Regardez des vidéos. Voilà. Faites pas comme lui, vous arrêtez pas aux clichés. Les amis, on passe à un autre anime. MHA, les amis. Je like! Toi, tu donnes pas de super like, les amis. Hein. Et le manga, je super like. Ok. Moi, personnellement, MHA, super like, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Qui, pour moi, l'un des meilleurs animés nu-gène. Que dire sur cet animé? L'animation, l'évolution de Deku. On passe d'un Deku enfantin, d'un Deku. Qui a pas d'alter, hein. Deku pleure ni char, hein. Deku. Vous allez se prendre de ouf. Mais est-ce qu'il a plusieurs coups? Ou sinon il a des découpes de cheveux? Allez, c'est une blague sur Deku. Est-ce que, genre, s'il fait. Est-ce qu'il est découragé? C'est bien. Si, ça, c'est bien. Ça va, c'est bien, mais fallait pas t'arrêter. Elle est bien. Est-ce que s'il fait du freestyle, il peut découper la prod? Du coup, attends, est-ce que vous likez ou pas la team de 10? Moi, je like. Moi, vous allez être déçus, mais je ne like pas. Pourquoi? Mais attendez. En fait, c'est parce que je connaissais pas.
Et en fait, on m'a emmené voir le film, vous vous rappelez, l'avant-première. Et en fait, ça m'a pas du tout donné envie de regarder. Parce que le film était éclaté. Non, le film, ouais. Même la fin. On dénigre pas une œuvre, mais le film était pas. En fait, ça m'a pas donné envie. Même la fin. Jujutsu Kaisen. C'est un jouet pour enfants. Jujutsu Kaisen, fils de pute. Maintenant, hey, j'appelle la daronne à celui qui dislike Tokyo Revengers. C'est un super like, les amis. Fin de la vidéo, incroyable, animé, incroyable, manga, incroyable. Okay. Rien à dire sur, Tokyo Revengers. C'est un truc à dire sur Tokyo Revengers. Je mettrai pas un super like, mais je like fortement, ouais. Pourquoi tu mets pas super like? Parce qu'il y a encore des preuves à faire. Je me suis juste arrêtée à l'animé et c'est un dislike pour moi. Pourquoi? Attends, je m'explique. Parce qu'en fait, il y avait tellement matière à faire quelque chose de banger avec une histoire. Et je trouve que vraiment au niveau de l'écriture, ou je sais pas ce qu'ils ont fait avec l'animé, mais je trouve qu'il y a un problème. Et je trouve que vraiment, moi perso, carrément j'ai été déçue. Tachana, bah je like. Bien intérêt. Oui, c'est ce que j'ai. Bien intérêt. Je n'ai pas le choix. Il y a quelqu'un qui a un couteau sous la bouche. On passe, les amis, à Demon Slayer. Juste je like. Ouais, pareil, je like aussi. Moi, ce que je tiens à dire sur Demon Slayer, c'est que vraiment, ce qui a donné toute cette notoriété, toute cette fanbase, cet engouement autour de l'anime et même du manga, on est d'accord. Toi qui me regardes, c'est l'animation. Et les openings et les OST. Ouais. Toi? En fait. Je sais déjà ce qu'elle va dire. Elle va dislike parce que Demon Slayer, c'est parti trop dans un humour humoristique. Tu connais déjà mon avis. En fait, la saison 1, elle était incroyable. Et la saison 2, vous avez fait comme moi. Pourquoi Tanjiro, c'est un guignol maintenant? Vas-y, Tasha, tu likes ou tu likes pas, Demon Slayer? Non, je sais pas trop qui fait. Wesh, c'est pour ça que la petite fille, c'est dislike. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'accroche pas avec le délire et tout. Hunter x Hunter, les amis, est-ce qu'il y a débat? Non, je like. Pas débat. Super like pour vous. Super like. Je like. Super like pour moi. Super like. Incroyable. Vraiment rien à dire. L'histoire, vraiment c'est. Moi je dirais même c'est exceptionnel. Ça fait même partie de mon top 5 animé. Et en vrai, vous dites Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter? Dites tout ça en commentaire. Le vrai truc c'est Hunter x Hunter. Là ça revient bien parce que ça revient au prochain manga qui est Spy x Family. Donc ça veut dire que tu dis Spy x Family ou Spy x Family? Normalement on doit dire Spy x Family. Ah ouais, mais j'ai Spy Family. Ok. Et parce qu'au Japon, le X n'est pas une lettre. Ah ouais? Ou Spy Family, vous like ou like pas? Moi, personnellement, gros coup de cœur. Ah, ça like, ouais. Moi, gros coup de cœur, là, vraiment, gros coup de cœur. Petit vent de fraîcheur, là. Anya, que dire de Anya? Le dernier vent de fraîcheur que j'avais eu, c'était avec Dr. Stone. Là, maintenant, Spy Family, c'est le nouveau vent de fraîcheur. Ouais, hein, vraiment, j'ai adoré. Mais je peux comprendre les gens qui aiment pas. Il y a des gens qui aiment pas? Ouais, si, c'est quand même un délire. Moi, je like, mais je dirais pas que c'est incroyable. Bon, les amis, c'est une fin de vidéo. Remarquer qu'ici il y avait une team qui likait et une autre team qui dislikait, mais c'est pas grave, on va pas dire que c'est les filles qui aiment. On a des goûts. C'est une team hater en vrai. De toute façon, heureusement qu'on a tous des avis différents, sinon c'est ça, c'est important. Si la vidéo vous a plu, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, partager, de commenter, de liker, de commenter, de recommenter ton animé préféré. C'était Jana Blacko.